La police nationale d'Haïti recevra vendredi 27 octobre 2023 20 pick-up patrouilles avec 250 motocyclettes, dont sa communauté internationale l'a fait pour renforcer la capacité opérationnelle police là, selon le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, par intérim, Emily Prophète Nelson. Directeur général AIPNH la France LB remercie partenaires internationaux pour collaboration avec la police et puis mandé pour matériel gouvernement et commandé pour PNH l'arrivée dans le pays. Permettez-moi avant tout de saluer et de féliciter tous les acteurs du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti qui ont compris qu'il était plus que nécessaire de soutenir le plan conjoint d'appui à la police. Aujourd'hui et plus que jamais, il est urgent de mettre un terme au cycle de la violence alimentée particulièrement par les gangs armés en Haïti. Votre engagement contribue à instaurer progressivement la garantie de sécurité et la protection renforcée de tous les biens et de toutes les personnes sur le territoire de la République. C'est une occasion pour nous de remercier la communauté internationale pour leur support inestimable, pour leur support indéfectible à la police nationale d'Haïti. Également, nous profitons de cet espace pour remercier solennellement le gouvernement haïtien, en particulier son Excellence Dr. Ariel Henry, notre Premier ministre, pour des sacrifices consentis au renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti. En ce moment, nous attendons la livraison des équipements commandés par le gouvernement haïtien pour la police nationale d'Haïti.